Salut à tous, salut salut, bienvenue, bienvenue à tous sur la chaîne. Ce soir on retrouve la team LSF ce soir pour la deuxième manche de la Summer Cup sur RF2. On est ce soir à Blackwood et on va assister à une heure de course. Là, on est encore en practice pour l'instant. On va passer sur la séance de qualif dans un instant. Salut Reaper, bienvenue à toi. On va également remercier Nicolas Legros pour son follow, merci à toi, merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne. Et puis voilà, je vois des voitures qui sont en piste, on va aller voir ça tout de suite. Retrouver nos stock cars. Oh Reaper, merci beaucoup, merci infiniment, merci pour tes 100 bits, fait très plaisir, merci. La charge de revanche. Alors, on avait une voiture, on n'a plus de voiture. Alors, hop, on va aller voir. Ah, mais tout le monde est rentré au pit, donc ça veut dire qu'on va passer en qualif. Voilà, c'est fait. Eh ben, ça va bien. Salut Arkeo. Bienvenue. Salut à toi. On t'a pas vu depuis un petit moment, Arkeo. En vacances, sans doute. Alors, on va faire un petit point. Tiens, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le classement général. On va aller le lien vers le site de la team LSF, comme ça vous pourrez aller consulter librement. Salut Christophe, salut Tito. Allez consulter librement le classement général à l'issue de la première manche. Hein. C'est toujours Vortex. Enfin, c'est Vortex qui a remporté cette première course avec 46 points, suivi de Green Chris 42 points, Neom 39, Crevis 42, avec 37 points à la P4. Ils sont tous là ce soir normalement. Salut Sébastien, bienvenue. Et donc on est sur Blackwood. Alors Blackwood qui est un circuit complètement virtuel, hein, qui n'existe pas. Et on va... c'est un circuit qui est très court. Les meilleurs tournent en un petit peu plus d'une minute. Salut Kanchi, merci. On va se mettre à bord avec Dylan pour découvrir Blackwood. Salut Laurent. Alors, circuit très sympa. Hein. On a une belle ligne droite sur laquelle, voilà, sur laquelle les pilotes vont pouvoir jouer de l'aspiration. Je reviens à Vortex, hein, donc qui est tout à l'heure d'ailleurs, qui était dans les meilleurs temps évidemment, et qui a remporté donc la première course. Vortex, il y a encore quelques minutes des problèmes de force feedback, il y avait des problèmes de FFB, là, il a redémarré tout son PC. Je pense qu'il va pouvoir quand même prendre le départ en espérant que ça tienne. Et on a 25 pilotes en piste. Alors là, bravo, franchement, hein, bravo à tous. Parce que 25 pilotes un fin juillet sur un championnat, sur RF2, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors on a déjà un premier temps, mais c'est le temps qui vient d'être fait par justement Dylan, avec qui on est une 0-5-0. Qui vient d'être battu par Thierry Paras, une 0-4-7. Ça va bouger évidemment beaucoup. Thierry Paras, que voilà. C'est beau, oui, il est assez joli ce circuit. Ouais, ouais, exactement, Tito. Exactement, Christophe. Tout à fait. Avec grand plaisir Reaper, merci encore à toi, merci pour ton passage, merci pour tes 100 bits, ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis, pour acheter un petit coup d'œil effectivement à la course, après dans la soirée, demain, ou sur YouTube, hein, puisque je la réupload sur YouTube. Alors, ça nous dit quoi? On a Rémi Gruson, 1-03-895. Rémi Gruson, je ne crois pas qu'il était je ne crois pas qu'il était là sur la première. Et non,
Donc Rémi Grison qui arrive sur ce championnat. Donc le lien de la chaîne YouTube, hein, il apparaît régulièrement dans le chat, où vous l'avez bien sûr dans le bio de la chaîne. Ça glisse, on voit des belles glissades là. Alors là on a qui? On a donc Rémi Grison et Christophe Saunier. Mais absolument Archéo, je suis assez d'accord. Un prénom de vainqueur, t'as vu? Tiens, on va faire le tour du plateau. Alors on a plein pot. Plein pot, on a Jérémy. Jérémy qui est au pit, JJ, la team LSF. Moi K972 qui prend la piste, également de la team LSF, Pierre-Yves évidemment, Dobbyman, alors j'ai cru comprendre que ce pilote je ne connais pas, avait lâché le volant pendant presque un an si j'ai bien compris, donc retour en course pour Dobbyman, Pierre bien sûr de la team LSF, Laurent, LSF également, Crevice 42, Vortex qui est au pit. J'espère que Vortex, vraiment qu'il a, il a pu retrouver son FFB, que ça fonctionne correctement. Salut ton Schmax. Grim Chris, pour l'instant pas de temps Grim Chris, hein, il nous fait à chaque fois. Grim Chris il sort au dernier moment pour faire son temps. Christophe Saunier, on l'a vu il y a un instant en piste. Copyright. Eva Campos qui rejoint également ce championnat. Alors Eva, on la connaît bien. Elle participe notamment au championnat d'endurance. Alors Dobbyman, on l'a vu. Titom également qui n'était pas là sur la première date. Donc Schmax. Alors Vincent 666 de la team GTR3. Au pit, je vais peut-être vous afficher ça autrement parce que sinon on voit pas les voitures. Voilà. The Duke. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, Archéo. Ah, on va vraiment commencer à s'amuser. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Faudra que tu nous. Ouais, bah, bien sûr. Alors, faudra que tu nous rejoignes en vocal également et on continue à faire, hein, une fois par semaine. Bon, c'est pas toujours un jour fixe, mais. Là, vous êtes quelques nouveaux à nous rejoindre sur Breakfast, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va être très sympa. Gouya. Thierry Parasme, on l'a vu tout à l'heure, plein pot. Plein pot qui a fait le cinquième temps. Kanchi Bilmo, quatrième temps, une 044 qui était avec nous. Nico Meimo. Salut Reaper, merci encore à toi, et puis je te souhaite un bon live si tu passes en live ce soir toi aussi, et à très vite, je passerai vous faire un petit coucou éventuellement à toi ou à Adou, je passerai vous voir, merci, bonne soirée également à toi. Rémi Grison, ben, on a vu tout le monde en fait, ah ben c'est cool. Yop, plonk et trou. Salut The Duke, bonne course à tous, bonne course à toi. The Duke, 8ème temps, pour l'instant une 0-5-1, alors que la pole a été volée par Crevice 42, une 0-3-6. Il reste 2 minutes, pardon, un peu plus de 2 minutes. Et ensuite on part pour une heure. Alors, on vous le rappelle, donc comme sur la première manche, il n'y a pas de pit obligatoire, mais la consommation fait que les pilotes seront de toute façon obligés de s'arrêter au moins une fois. Et l'autre particularité, les deux autres particularités avec ces stock cars, c'est qu'il n'y a pas de pit limiteur, donc il faut que le pilote surveille attentivement sa vitesse dans les stands afin de ne pas se prendre de pénalité. Et la deuxième particularité, c'est que ces voitures ne sont pas équipées de feu stop. Peut provoquer des petites surprises au freinage dans les voilà, avec les voitures les plus proches. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore en piste? Alors, on a Vortex, on va surveiller quand même de près, hein. C'est quand même le vainqueur de la première manche. On va voir Vortex s'il peut améliorer encore son temps. Il a fait 1.04.0. Il est P3. Et est-ce que Grimkris a pris la piste? Grimkris, il est en piste. Il a fait deux secteurs pour l'instant. On va avoir un temps assez rapidement. Deux premiers secteurs qui m'ont l'air plutôt rapides d'ailleurs. On va plutôt aller avec Grim. S'il est pas trop tard. Ah bah si, voilà, Grim il a fait son temps et il prend la P4. Vortex 3ème. 1.04.011 pour Vortex. 1.04.083 pour Grimkris. Et effectivement, Rémi Gruson, 1.03.895, c'est tout proche de Kravis 42, donc ça va nous promettre des premiers tours avec des belles arsouilles, comme nous dit Titom. Bienvenue à tous en tout cas. Grimkris qui est toujours en piste. 1.04.083, quatrième temps. Il va pouvoir terminer son tour, parce que le temps de qualif, ça y est terminé. Voilà, le drapeau à damier. C'est le seul pilote encore sur la piste. Et alors, ça nous dit quoi? Grimkris, deuxième temps, il nous fait à chaque fois hein, celle-là. 1.03.714. Allez, je vous affiche tout ça, le petit résumé du... Le petit résumé de cette séance de qualification qui va apparaître sur votre écran. Voilà, avec les écarts, les temps, les tours. Pour le top 10. On a une très belle grille. Hein. Alors on a perdu un pilote en revanche, je vois plus que 24 voitures. On va avoir du Pestac. Donc je n'ai que 24 temps, j'ai pourtant bien vu 25 pilotes tout à l'heure, on a dû en perdre un. Donc c'est Jérémy qui fermera la marche et qui... Ah voilà le 20... Ah c'est Sébastien 974, donc ces deux pilotes partiront fond de grille. Et on va passer en warm-up, on va aller le temps, ça va me donner le temps de réafficher le tower. Réafficher les données qui nous intéressent, les écarts, les données, voilà, là on est pas mal, et le temps d'aller voir quelques caméras extérieures. Un petit warm-up pour se mettre en jambe. 5 minutes. Donc 4 courses hein, sur le championnat. On va réafficher rapidement. Voilà, on était sur Midway-Ohio le 13 juillet. Donc ce soir, Blackwood. Le 10 août, on se retrouvera sur Long Beach et on terminera sur le Mosport le 24 août. Et puis, je vous rappelle aussi, alternativement, on a une deuxième Summer Cup à la Team LSF sur ACC cette fois. Et là, c'est Luc de Radion TV qui se charge de streamer cette Summer Cup. Je l'avais remplacé pour la première, mais maintenant, il assure les trois autres, les deux courses restantes. Hein. Donc une semaine sur deux, alternativement, le Stock Car et ACC pour Radion TV. Ouais, je crois aussi, Kanchi. Le circuit a l'air génial, je le connaissais pas.
en radical. Avec, avec ce que oui, effectivement, il y a une version avec la, la chicane. Bon, on l'aperçoit d'ailleurs. D'accord. Là, ça tombe vite, hein. Alors, Dylan, hein, Dylan Mettler, qui, là, sur cette séance de warm-up, là, il tourne plutôt vite aussi, hein, 1.044. Hein. Bon, après, c'est qu'un warm-up, mais il s'est mis en très bonne condition de course, là. En allant tout droit, ouais. Pareil, sur la chicane, forcément. La chicane. Voilà, qui est là? On vient, voilà, on l'aperçoit. Et là, effectivement, les pilotes peuvent aller tout droit. Alors, des voitures qui sont assez réussies, hein. Le... On les, ces Stock Car 2018, on les a vus sur la chaîne il y a quelques semaines avec la, la team ODS, ODS Team Racing, où là on a fait vraiment de la NASCAR sur les anneaux. Merci à toi et bonne course. Bonne course, merci beaucoup. On va être ensemble une heure. Donc ça va nous faire en maximum une soixantaine de tours, hein, du coup. Un petit peu moins. Pour les plus rapides. Là, sur la séance de warm-up, on a... je vois les 7 pilotes en moins en 1 seconde 5, hein, les 7 premiers. Donc si ça se confirme en course, ça va être chaud. Notre petit homme, il est là, petit homme. Cinquième temps, petit homme. 1.052 sur cette séance là, ce petit warm-up qui est terminé d'ailleurs. On va passer en course dans un instant. Voilà, retour au pit pour petit homme. Petit homme qui s'entraîne à rentrer à son stand, ce qui est pas une mauvaise idée. Voilà, le petit moment de calme avant la tempête. On va passer en course. Salut tout le monde, salut, salut, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Vous arrivez au bon moment. Le temps au serveur de repasser en... de changer de session. Un petit coup de feu d'artifice, merci, merci Brice, salut à toi. Et on va se mettre avec donc, hop. On va attendre que la grille se mette en place. Et ton Schmax, oui, bien sûr, ton Schmax partira 14e. Alors, j'ai à nouveau que 24 pilotes. Hein. Il y a vraiment. Je pense que c'est Sébastien qui doit avoir des problèmes de connexion. Ouais, on l'a plus, on a perdu Sébastien à nouveau. Ouais, bonne course, ton Schmax. Comme d'habitude, hein, le coup de la portière, tranquille. Sébastien, ouais, il a souvent, souvent des... Alors ça, c'est pas une bonne idée, le panneau, là. Le safety. Un tour lancé. Alors, j'ai cru comprendre aussi, après Titom dans le briefing, que le safety car était relativement rapide.
Voilà, belle grille. 24 pilotes. Nous en manquait un malheureusement. Travis 42, Grim Chris, Rémi Gruson et Vortex 56 pour les deux premières lignes. Derrière, on a plein pot Dylan Mettler. Pilote à surveiller les deux là. Nico Meimo, Kanchi Bilmo derrière. Et notre chère Eva, elle est 18ème. Pour la petite histoire, seule féminine de cette épreuve et compagne de notre ami Nico Meimo. Ensemble en course, ça c'est cool. Ils font des endurances également ensemble. Voilà, une autre façon de découvrir ce circuit de Blackwood. Ça se regroupe. Ouais, ouais, il est beau, c'est très très beau en tout cas, visuellement il est vraiment vraiment bien. Et on part, Crevice devant Grim Chris, Rémi Gruson, Vortex 56 qui essaie de... Oh, qui s'est collé à Grim. Attention au premier virage, le pas... Oh, et déjà ça part de travers pour Grim Chris, poussé par, poussé par Vortex. Grim qui, pour le coup, dégringole à la P6. Allez, derrière, on a donc Rémi Gruson et Vortex. Dylan Mettler, P4. Kanchi Bilmo juste derrière à la 5ème place. Et puis, leur derrière, ce gros paquet avec... Donc, Gouya, Grim Chris, Nico, Nico Meimo, Thierry Parasme derrière. Oh, c'est chaud là, ça joue de la portière, c'est assez physique hein, pour l'instant. Et plus en arrière, comment ça se passe? On va aller voir, tiens justement, Ton Schmax, là aussi, Ton Schmax, Pierre-Yves, Pierre. Un début de course, ouais, plutôt, plutôt animé on va dire. Alors, devant, allez, donc Crevice 42. Crevice 42, il est à 6 dixièmes de Rémi Gruson, Vortex et Dylan Mettler derrière. On va se mettre à bord avec Dylan. Ça a creusé déjà, hein. Déjà la P4 Dylan, il est donc on le voit là ici à une seconde de Vortex. Je pense que le groupe de 3 devant va, va s'échapper un petit peu. Et une seconde 7 derrière, on a Kanchi Bilmo, Grim Chris qui est à 3 secondes 2 du leader, à une seconde 6 de Kanchi Bilmo. Vortex qui a pris la P2 juste devant nous. Rémi Gruson donc juste devant là, la voiture rose, il est là. Dylan Mettler pardon, qui reste collé. Qui a réussi à recoller à cette P3. Derrière ils sont pas loin, hein. Kanchi et Grim Chris. Grim qui se rapproche. Hein. Qui est revenu à 7 dixièmes de Kanchi Bilmo. Grim Chris il va chercher à remonter bien sûr sur, sur les places de tête, hein, bien sûr. Et derrière, Gouya, il y a Nico Meimo hein, qui reste à la P8, bien bien collé au groupe également. Thierry Parasme qui revient à la P9. De toute façon, on va redescendre le classement gentiment. Voilà, Grim qui se présente à l'intérieur là sur, sur Kanchi. Ah, est-ce que Ton Schmax aurait eu un problème? Ton Schmax qui est descendu 19ème effectivement.
rapidement, on va aller voir ton Schmax. Apparemment, il n'y a pas de dégâts. Peut-être une petite, voilà, une petite glissade, une sortie de piste. Début de course, hein, pneu froid. Frein froid. Voilà, si on se met, voilà, le groupe, hein, ça ne se quitte pas beaucoup, hein. Il n'y a pas eu d'échappée pour l'instant. Vortex qui a pris la pole, Vortex qui a pris la pole. Vortex, Crevice 42, Rémi Gruson, Dylan Mettler à la P4, Grim Chris qui est 5ème. Et toujours Kanchi Bilmo à la P6. Chouette départ, hein, si bon, malgré le petit accrochage là entre Grim Chris et Vortex. Ah, ça se creuse un petit peu entre la P3 et la P4. Voilà, comme je le disais, là, le trio tête s'est un petit peu échappé. Ça se creuse un petit poil, il n'y a pas encore grand chose, mais on a maintenant une seconde 6 entre Dylan et Vortex, entre la P1 et la P4. Allez, on va remonter le classement. On va remonter le classement, on a donc 24ème, Mwaka 972 que je vois dans le sable. Ah, il a l'air d'avoir du mal à en sortir. On va faire un replay. Non, ah, oh là là, Mwaka il a l'air en difficulté. Est-ce qu'il y a... Il a l'air complètement bloqué, Mwaka. Ah, ça va être compliqué pour Mwaka 972, j'ai l'impression. Il va avoir du mal à sortir de là. À la P23, je vois Titum au pit ainsi que Laurent. On a deux pilotes au pit. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un accrochage sur les trois pilotes, les trois derniers pilotes du classement, pardon. À la P21, on a Jérémy, Eva Campos est 20ème. Eva, Copyrette 19ème. Là, on a des écarts assez importants. Hein. À la 18ème place, on a Christophe Saunier qui est à lui une seconde de JJ. JJ 17ème. Donc Tonchmax 16ème, pardon. Devant, on a à la P15 Dobiman en bagarre avec plein pot. Ah, abandon pour Mwaka. Donc plein pot 14ème, devant Pierre LSF 13ème, il est à 3 secondes 5 de The Duke. Laurent qui est arrêté sur le côté de la piste. Ah, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé pour Laurent? Ah, il a dû se faire une petite sortie de piste, il attendait que le trafic passe, que les autres concurrents passent, et là on est avec plein pot qui est en train de prendre la P13 qui était occupée par Pierre. C'est pas tout à fait terminé entre les deux, non, plein pot c'est confirmé, P13. À la P12 on a The Duke à 4 dixièmes de Pierre-Yves. Et devant on voit le Vincent 666, le pilote GT R3, qui lui est collé à Thierry Parasme qui emmène tout ce petit monde à la 9ème place. Là on a un groupe qui s'est créé ici de 4 voitures. Dylan Mettler est descendu à la P8, un petit peu esselé. Il est à 2 secondes, plus de 2 secondes maintenant de Nico Meimo en bagarre avec Kanchi Bilmo, P6, P7. Et devant Grim Chris et Gouya, on a deux bagarres en même temps là. Alors ça c'est intéressant, on va se mettre avec Nico par exemple. Nico Meimo
septième, et devant on assiste aussi à la petite baston là entre Gunkris et Gouya. Ils roulaient déjà ensemble là sur la première, hein, Grim et Gouya. Qui est cinquième, hein, Gouya au général pour l'instant. Et on voit que ça glisse quand même, ça glisse pas mal. Alors, circuit qui est vallonné, hein. Ce qui n'est pas forcément très adapté à ces stock cars. Et alors devant Grim Chris, on a Rémi Gruson qui est 3 secondes 5, hein, devant Grim à la P3. Donc il n'a pas trop de pression pour l'instant, il a une seconde 3 devant Crevice 42 à la P2, et puis c'est toujours c'est Vortex qui emmène tout ce petit monde. J'ai vu une voiture rose en difficulté. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va retourner voir Vincent 666 rapidement, parce que je vois là qu'il est bien revenu sur Thierry Perasme. Thierry qui fait des petits travers. Ah, trop large, trop large, trop large, trop large pour... Thierry Paras Médis maintenant, Vincent 666 à la 9ème place. On retourne devant Gouya et Grim Chris. P4, P5. Ça s'est échappé hein, devant, là on aperçoit Grémy Gruson, donc comme je le disais à 3 secondes. Salut Mwaka. Oh, on t'a vu coincé dans le bac à sable. Quel dommage. Alors j'ai pas vu, je suis arrivé trop tard pour pouvoir faire un replay sur ta sortie de piste. Tu t'es sorti tout seul, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi surtout t'as pas pu en sortir? Si tu veux me rejoindre dans la cabine sur le vocal, tu peux, hein, y a pas de souci. Alors on est avec Nico Maimo, toujours sur Kanchi Bilmo, P6, P7. Ah, on va rapidement aller voir quand même en tête de course. J'ai vu Crevice 42 revenir à vraiment très près de Vortex. Bon, il y a encore 5 dixièmes entre les deux. Là, ça se regroupe, hein, 5, 6, 7. On va rester un petit peu avec eux, surtout devant. Là, je vois Kanchi qui se montre impatient derrière Gouya, mais on va surveiller ce qui se passe devant quand même. Ah, les trois, ils vont revenir là sur Grim, évidemment. C'est en train de se faire, voilà. On aperçoit la voiture bleu ciel là-bas de Grim. Allez, on va aller voir Crevice 42 à la P2. On va bientôt arriver au premier quart d'heure de course déjà. Ça passe très vite. Alors, est-ce que tout le monde a foué? Tout le monde, il n'y a plus personne dans les pits. Petit homme est ressorti pour le coup dernier. Hein. Laurent a fait 22 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va aller vous montrer? C'est là pour l'instant, il va rien se passer ici. On va retourner voir hein, Nico Maimo, Kanchi et puis Gouya.
Laurent a mangé l'herbe et m'a tapé, du coup gros crash, et la roue avant droite absente. Ah, t'avais perdu une roue, j'ai pas vu, ok. D'accord, j'avais pas fait gaffe que t'avais perdu la roue, ouais, donc ça, quand c'est comme ça, c'est mort, malheureusement. Ah, quel dommage. Donc ça explique pourquoi on a vu Laurent, effectivement, et ainsi que Titom. Alors je sais pas si Titom était dans le crash, on a vu Titom au pit aussi, au même moment. Donc on a une bagarre ici. Ah, il était dedans aussi, ouais, bah alors là, bon, ok. C'est pas un big one, mais pas loin. On va aller un petit peu derrière à la P12. Je vois également 4 pilotes assez proches. Plein pot, Pierre-Yves là, juste devant lui. Et puis les deux voitures devant, c'est Pierre-Yves et Vincent 666. Ah, merci Waka pour ton follow. J'avais pas fait gaffe, je pensais que t'étais déjà follower de la chaîne, mais... Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et en plus, normalement, t'es le 550e. Bravo. Ouais, mais tu sais, peut-être que tu suivais la chaîne, et puis voilà, des fois, on suit plus. rien de bien grave. Merci en tout cas. Ah voilà, un beau dépassement. Plein pot qui vient de prendre la P11. Voilà, on est que maintenant. Pierre-Yves donc descend 12e bien sûr. Et puis devant. Oh, mais c'est qui? Plein pot, il est motivé là. Regardez ce qu'il est en train de nous faire. Plein pot 10e maintenant. Juste derrière Vincent 66, c'est pas terminé. Waouh, c'est magnifique ce qu'il nous offre là, nos 4 pilotes. Quel spectacle! Attention, tiré par As plein pot. Ah là, c'est chouette. Ça, voilà, c'est ce qu'on aime voir. Des belles bagarres comme ça, c'est propre. Ça attaque, hein. Allez, Pierre-Yves. Pierre-Yves qui remet ça. On a Zodiuk qui vient rejoindre le groupe. Alors devant, hein, toujours très proche à 4 dixièmes, Vortex qui mène cette course devant Crevice 42. Rémi Grusson est à 3 secondes 2, Grimkris à 1 seconde 6 derrière. Et après on a un écart assez important, 4 secondes, un peu plus de 4 secondes. Nico Maimo Gouya toujours en bagarre. Ça reste quand même très très proche hein, dans l'ensemble. Plus en arrière, on a aussi GG et Jérémy. 19 et 20. Il y a de la baston à tous les niveaux du classement. Il reste 23 pilotes. Malheureusement, on a perdu Sébastien 974. On l'a vu à ce déco plusieurs fois. Alors, il n'a pas pu prendre le départ. Et puis Mwaka, malheureusement, victime d'un crash avec Laurent et Titom. Devant, une bagarre aussi très proche, Pierre et Dubiman. Ah, Laurent DNF. Bon, Laurent, je pense qu'il a eu trop de dégâts tout à l'heure. Sans doute trop de réparations. Ouais, merci les gars, merci beaucoup. Je viens de le voir à l'instant. Alors, on sait plus où aller, hein, ça se bat partout. Jérémy, GG. Heureusement qu'on suit. C'est difficile d'être partout quand c'est animé comme ça.
Ah, Dobbyman, Dobbyman et Pierre. Oh, c'est joli ça. Au freinage. Dobbyman, oui, oh, petite touchette là. Oula, avec du... Il y a eu un petit passage, ça a coupé là, je pense. Hein. Dobbyman qui a pris la P14. Devant, c'est Vincent 66, je crois, qu'on a vu faire un strike dans, dans les pneus. Allez, The Duke, Pierre-Yves. Oui, je sais bien, Christophe. The Duke, Pierre-Yves et Thierry Parasme, les trois pilotes LSF, en pleine explication. Dépassement sous drapeau jaune. Nico Meimo et Gouya. Nico qui prend l'avantage, il prend la P5, Nico. Ah, c'est pas fait. Il a essayé, hein. Belle performance hein, de Nico Meimo en tout cas sur ce début de course. Sixième. Grim Chris donc toujours quatrième. Il a une seconde 2 de Rémi Gruson à la P3. Il tient bien cette P3 Rémi Gruson. Même s'il est à 3 secondes 3 maintenant de la P2. Ça se bat partout, c'est incroyable. Hein. The Duke, Pierre-Yves, Thierry Parasme, toujours les trois pilotes LSF. Derrière, on a à la P15, on a Pierre qui reste collé à 4 dixièmes de Dobbyman. Hein. Il vient de se faire passer. Et les arrêts au pit, ouais, je pense que là, on va pas tarder à arriver à mi-course. Donc, je pense qu'on va avoir les premiers arrêts dans quelques instants. Ça va être stratégique. Toujours devant, hein. Vortex et Crevice. Crevice 42 hein, qui tient la pression sur Vortex. Le meilleur temps en course pour l'instant, 1.04.189. Ce meilleur temps, il a été réalisé par Grim Chris. Toujours derrière Nico Meimo, Gouya. On va se mettre à bord un peu, tiens. Avec Nico. Crevice, il revient. Oula, il y a eu un lag là. Crevice, il revient à 3 dixièmes ouais, de Vortex. Et je vois Grim qui revient à une seconde de Nico Meimo, hein. De Rémi Gruson. On est avec Nico Meimo. Allez, on va aller voir Crevice. Crevice 42. De temps en temps, il se rapproche à 2 dixièmes quasiment de Vortex. Il reste 37 minutes. On voit bien l'entrée de la ligne droite, là c'est loin d'être plat. Donc on a Rémi Gruson, troisième, il y a 4 secondes.
Par contre, juste derrière, voilà Grimkris qui arrive. Dangereusement, 7 dixièmes de Rémi. Très bon deuxième secteur là d'ailleurs pour Grémy Gruson, 18-4. Une 0-4-9 sur le dernier tour, une 0-4-6 pour... Ah, ça y est, ça va se faire peut-être là. Grémy Chris à l'attaque. Voilà, il prend la spi. Alors on va essayer de faire un petit tour, on va essayer d'aller voir, alors ça fonctionne pas toujours sur les le carburant restant. Donc on a Titom hein, qui a fait le plein, qui a encore pratiquement la moitié de son réservoir. Pour les autres, ouais, c'est à peu près pareil. Rémy Gruson qui consomme peut-être un petit peu moins. Un petit peu plus, pardon. Bon, je pense qu'on va, pas tarder à commencer à avoir des arrêts au pit. Et voilà, ça commence. Donc voilà, on voit effectivement Rémy Gruson qui rentre à son stand. C'est le premier pilote qu'on voit rentrer pour ravitailler. Donc évidemment, Grim prend la P3. Et devant, on voit Crevis 42 récupérer la pole. C'est pas fait. On arrive au bon moment là, je pense. Crevis 42, Vortex 56. Ah non, le Vortex qui est parti un petit peu large. Crevis a essayé d'en profiter. Ça l'a pas fait. Vortex s'est pas laissé faire. Rémy Gruson, pardon, qui est ressorti les pits. Oh là, Vortex est parti légèrement de travers. Il essaie d'échapper à Crevis 42. Ça roule fort. Vortex 56 qui arrive là sur un pilote sous drapeau bleu, c'est copyright en l'occurrence. On a deux autres bagarres derrière, hein. Toujours Gouya et Nico Melimo, P4, P5. Voilà, ça passe. Et puis à la P7 et P8, Dylan Mettler et Plein Pot également, qui sont à moins de 3 dixièmes l'un de l'autre. Dylan, d'un seul coup, on l'a vu. Bon,
descendre. Nico Maimo, Gouya toujours. On va rester avec Crevice 42 et puis Vortex pour l'instant. Et entre la P12, 13, 14, 15, on a 4 pilotes aussi assez proches. Vincent, The Duke, Dobiman et Pierre. Pierre qui vient de passer Dobiman d'ailleurs. Ça vient de se faire à l'instant. Plein pot est arrêté à son stand. Donc on va retourner voir. Voilà, on va rester avec Crevice. On a The Duke au pit, plein pot. Et on arrive à mi-course, les amis. Déjà. J'ai vu également Pierre rentrer au pit. Voilà, c'est ça commence. Hein. On a Grim Chris au stand également. Quatre pilotes arrêtés. Et donc il n'est pas impossible qu'il y ait un deuxième arrêt pour certains. Ça rentre, Vortex et Crevice 42 rentrent au pit. On va rester sur eux. On va voir comment ça passe cet arrêt au pit pour les deux pilotes de tête. On va voir surtout comment ça va ressortir. On voit Dobiman qui repart. Les 5 pilotes de tête sont arrêtés au pit. Vortex, Gouya. Crevice 42 qui ressort devant Vortex. Crevice 42 donc qui ressort en tête, il ressort des pits en tête, voilà. Donc changement de classement, Crevice 42, Vortex 56, Rémi Gruson 3ème, Grim Chris est maintenant à la P4. Grim Chris est toujours le meilleur tour. Il est là Grim, à 3 secondes 1 de la P3. Gouya 5ème. Et puis derrière maintenant on a Kanchi Binmo et Nico Maimo. 6 et 7, là pour l'instant sont les deux voitures les plus proches. À la 8ème place, Vincent 666, la team GTR 3. Que voilà. Et 8. Jérémy, trop vite dans les stands, merci pour l'info. Merci Brice. Ah, ça s'arrête également. Pour Vincent, 666 arrêts à son pit. Donc on va retourner ici avec Kanchi Bilmo. Derrière, on a Tonchmax arrêté au pit également, qui est 10ème. Bravo Tonchmax. Alors j'espère qu'il va ressortir à cette même place. Non, il va perdre un petit peu. 12ème. Il s'est fait passer par Pierre-Yves et... Donc là c'est quoi? C'est Vincent qui rentre. C'est compliqué hein, les arrêts au pit. On a Eva Campos et Copyright donc au stand. Ici c'est Titom. Titom et JJ. Alors ils sont très proches mais il y a un tour hein, entre les deux.
Là, on va se mettre avec ton Schmax qui est dans les roues de Pierre. On va rester avec ton Schmax à l'aspi. Pierre qui ne s'est pas arrêté, il me semble. Voilà, ton Schwax qui vient de s'épasser le leader, hein, Vortex. Le deuxième, pardon, Vortex. Vortex et Crevice 42. Toujours devant. Plus exactement, Crevice 42 et Vortex. Qui arrive sur Pierre. Voilà, qui laisse passer. Nickel. Vortex qu'on profite, il ressort un petit peu mieux ici. Vortex qui a fait 1.04.083. Vortex il vient de faire le meilleur, il a pris le meilleur tour. Vortex a l'air plus à l'aise. C'est possible, ouais. Alors Grimkris lui a l'air d'avoir plus de difficultés, hein, à remonter sur Rémy Gruson. Il y a 2 secondes maintenant. Plus à l'aise en début de relais, ouais. Alors apparemment, Crevice s'était un peu moins. Donc est-ce qu'ils ont fait la même chose? Parce que donc Vortex est rentré premier dans les pits et c'est Crevice qui en est ressorti le premier. Donc il n'y a sans doute pas eu le même ravitaillement pour les deux pilotes. Bon, après, sur le dernier tour, il y a moins d'un centième d'écart entre les deux. Si la situation reste comme ça, ça va être intéressant en général pour Crevice 42 parce que. Et beaucoup moins intéressant pour Grimkris si ça devait rester en l'état. Avec donc Rémy Gruson, hein, ce pilote qui arrive. Mettre un petit peu la pagaille là dans les pilotes de tête. Tiens, Rémy Gruson, on va aller le voir quand même un petit peu. C'est vrai qu'il roule un petit peu tout seul, Rémy Gruson. 5 secondes 5 hein, de Vortex.
Et il arrive à tenir en respect Grim Chris derrière lui à une seconde une. Ah. Dobbyman qu'on a vu partir à la faute. Alors on va aller voir un petit peu derrière The Duke et Pierre. Pierre, on l'a vu se battre un petit peu avec tout le monde hein, sur cette course. Il arrive à se tenir le milieu de classement là, P14. The Duke, allez, qui part à l'attaque de Pierre. Oh, ça glisse un petit peu pour ses... Fou, c'était chaud là. Pierre qui garde quand même la 14e place sur ce coup. On a devant lui, devant Pierre, c'est Tonchmax, hein, 13e. Il est à 6 secondes 5. Tonchmax qui vient de faire un excellent deuxième secteur, 18,564. Son meilleur deuxième secteur. Allez, plus en avant, P10, Thierry Parasme aussi, là aussi ça se bagarre avec Dylan Mettler. Alors que Grim Chris est revenu maintenant à 5 dixièmes de Rémi Ruzon. Donc on va aller surveiller ce qui se passe par là. On va rester un petit peu avec Thierry Parasme. Thierry Parasme qui prend la P9. Bravo. On a du dépassement hein, sur cette course. C'est pas fini pour Dylan Mettler. Dylan Mettler. Ah, une belle baston là. Ça c'est beau. Allez, Dylan, il a repris la P9. C'est pas terminé. Ah, ils nous font le show les deux là. Et alors devant, c'est devenu très intéressant de voir ce qui se passe sur les 4 premières places. Crevice, Vortex, Rémi Gruson et Grim Chris. Là on a deux couples là qui se tirent la bourre. On va aller voir ça, on va quand même rester un petit peu avec Thierry et Dylan. Salut, bienvenue, salut Tébiamine. Bienvenue à toi. Thierry Parasme là qui maintenant s'est échappé à 7 dixièmes. Allez, on va aller voir rapidement Grim Chris. Grim Chris qui est revenu sur Rémi Gruson donc. Et puis devant, toujours Vortex et Crevice pareil, 3 dixièmes, 3-4 dixièmes. Allez, Grim Chris, il est bien décidé à monter sur le podium, Grim. Hein. Il est quatrième. On aperçoit là-bas Vortex et Crevice. Il me semble que c'est eux, on va les... Salut Nanou. Voilà, c'est passé dans l'herbe là.
Ah non, c'est pas eux, c'est un autre pilote, c'est un pilote attardé qu'on voit là-bas. Oui, c'est ça, c'est JJ. Voilà, qui laisse passer. Et devant, toujours Vortex 56, deuxième. Il est derrière Crevice 42, on va bientôt arriver dans le dernier quart d'heure de la course. Ah, c'est dommage qu'on ait 8 secondes là, entre la P2 et la P3. Ah bah, c'est même une... on parle pas de jeu, on parle de simulateur. Hein, et de la vie de beaucoup, c'est, ça reste la référence. Ça reste la référence. On parle bien de simulation, hein. Pas de graphisme ou de... On parle de réalisme, et de la vie d'une grande majorité, c'est une référence. Pendant ce temps-là, Grimkris, il est passé, mais il est pas passé. C'est... Chaud, chaud, chaud patate là. Grimkris, Rémi Gruson. La bleue, la rose. Hop, 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 hop. Et ouais, voilà, Rémi qui a fait un joli travers là, qui lui coûte la P3. Qui lui coûte la P3 et qui le repousse à 5 dixièmes. Alors, on va pas rentrer dans ce débat. Sinon, ça va se fâcher, TB. Je n'ai jamais roulé sur E-Racing, donc je, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un débat. Bon, on va pas toujours dire la même chose, mais bon, c'est pas le même modèle économique, c'est pas, voilà, c'est pas la même façon d'aborder le truc, quoi. Alors l'avantage, voilà, des RF2, c'est qu'il y a quand même énormément de contenu gratuit. Et varié. Allez, une petite remontée de classement. Allez. Petit homme, 22e. Course moyenne pour Petit homme, hein, plus que moyenne. Hein. On est plus habitué à le voir en milieu de tableau. JJ, même chose, hein, la P21. Copyright, il est 20e. Eva Campos, 19e. Elle a grappillé un petit peu de place, Eva. Bravo à elle. Christophe Saunier, 18e. Il tourne en 1-06-2, Christophe. Et il est à 1 seconde 3 de Jérémy. À la P16, on a deux B-man. Et devant, en bagarre, donc The Duke et Pierre, 14 et 15e. 7 dixième entre les deux. Tonchmax toujours à la P13. Vincent 666, le seul représentant de la team GTR3, il est 12e. Ah, The Duke et Pierre, là, ça se rapproche. Allez, devant, on a à la P11, Pierre-Yves, Dylan Mettler, 10e. Devant, on l'a vu pas mal tout à l'heure, Thierry Parasme, qui est maintenant à 15 secondes de Kanchi Bilmo, 8e, 7e place, plein pot. Nico Maimo, 6e. Gouya à la P5. Et puis on retrouve donc notre quator de tête, Rémi Gruson, qui vient de perdre, hein, il y a quelques minutes, la P4.
Graeme Kriis. Troisième, il remonte sur le, provisoirement sur le podium. Il est à 9 secondes 8 de Vortex, qui roule toujours dans le pare-choc de Crevice 42. Voilà, la P1, P2. 6 dixièmes maintenant entre les deux. Et on va bientôt arriver dans les 10 dernières minutes de course. Crevice 42 là qui arrive sur un pilote sous drap. Oh ! Ah non, c'est le pilote qui s'est échappé, qui s'est écarté, pardon. J'ai eu peur de, de voir Crevice partir à la faute. Voilà, et deux pilotes qui ne se sont pas lâchés hein, depuis le début. Vortex était en tête tout à l'heure. Alors pour l'instant j'ai pas vu de second arrêt au pit. Ouh, je vois. Ah, il y a Dylan Mettler et Pierre-Yves là. Ah, Pierre-Yves je pense a pris la P10. Et puis derrière on a Pierre et The Duke aussi. 14 et 15. Alors on va surveiller un petit peu partout. Essayer de vous montrer là où ça se passe. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent maintenant. Pour les 10 dernières minutes de course, on est sur la deuxième manche de la Summer Cup, une des deux Summer Cup de la Team LSF. En Stock Car 2018, on est sur le circuit de Blackwood. Là, on est avec les deux voitures les plus proches pour l'instant. Pierre et The Duke. Je vois une seconde maintenant entre Crevice 42 et Vortex. Remonter à la P2 quand même là. Est-ce que Vortex sera un petit peu en difficulté? Une seconde 2 maintenant. Est-ce que Vortex roulerait pas un peu à l'économie? Niveau carburant 34%, 31. Bon, pour l'instant on est pas mal. Rémi Ruzon lui n'a plus que 19% de carburant. Bon, il reste 8 minutes. Je pense que c'est plus un problème de pneumatique, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a une seconde 3 maintenant. On voit Crevice qui s'échappe. Une 0,5 0,83 pour son dernier. Ouais, bah c'est, il fait pile poil au millième près, une seconde de moins que son meilleur tour, Vortex. Une 0,5 0,83, son meilleur c'est une 0,4 0,83. Bon, on n'aura eu que deux abandons hein, pour l'instant sur cette manche, c'est plutôt bien. Bon, toujours malheureux, hein, mais Moika et Laurent, hein, c'était un crash hein, en début de course. Ouh, Vortex, ça part en glissouille. Ouais, ça, sûrement ça commence parce que là, tiens, on va essayer de revoir là, ce virage de Vortex. En vue extérieure, un petit replay, on n'en a pas fait encore depuis le début de la course. Allez, on voit, ça part vraiment... ouais, ouais. Ah, c'était plus impressionnant en... C'est plus impressionnant à l'intérieur, mais...
Ah oui, il coupe Vortex, voilà, il a des soucis. Il a des soucis, Vortex. Ah, salut Dams, salut mon ami. Merci beaucoup pour ton resub, merci infiniment. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Oui, oui, les gourmands, gourmands en pneus, j'ai l'impression. Merci pour le follow. T'es bien admin, tu es le bienvenu, merci à toi. Faut me gâter ce soir, gâter les gars. Bah écoute, ça va bien, Dams. Ça va bien. En vacances samedi soir, donc voilà. D'ailleurs, à ce propos, hein, pour ceux qui nous suivent, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, pas avant ou mieux vendredi soir. Voilà, parce que je pars un petit peu en vacances. Voilà, voilà. Ah bah écoute, merci Arkeo, merci beaucoup. Petite semaine, hein. Bon, voilà. Allez, on va aller voir. On va aller voir qui. On a Gouya et Rémi Grusson. Oh, merci, Mouaka. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. On est dans les 5 dernières minutes. J'ai l'impression que ça va se terminer plutôt mollement. Alors, je vois Vortex là qui est. Ouais, il y a presque 2 secondes maintenant. Hein, donc il va terminer sur les jantes. Hein. Là, ça a bloqué un peu, là on l'a vu, ça, on a entendu ça crisser un peu. Ah, Rémi Grusson qui s'arrête. Voilà, non, il perd sa P4. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gouya, on a Vortex. Alors attendez, là on va faire. Je vais à nouveau faire un replay sur. Sur Vortex, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il est au ralenti, Vortex. Et je vois. Green Chris. Alors il y a dû y avoir un. Ah, ok. Je pense qu'il y a eu un accrochage entre Grim Chris et Vortex 56, avec Vortex a attendu Grim. Il y a dû y avoir incompréhension entre les deux pilotes. Ça fait qu'on a un gros changement de classement hein, dans les. Là on arrive dans les 3 dernières minutes. On a Crevice 42 qui est toujours en tête, qui est devant. Gouya pour le coup a pris la P2, mais il est à 21 secondes. Nico Maïmo monte sur le podium, il est 3ème Nico Maïmo, et derrière on a à 2 secondes Grim Chris et Vortex 56 qui est maintenant 5ème. Ah bah voilà, quand je vous disais que la fin de course allait être molle, là je me suis trompé. Ça c'est, voilà, une vraie course de la LSF quoi. Vortex il va peut-être quand même, il a 2 minutes 30 là pour aller chercher des noises quand même à Grim. On va se mettre à bord, hein. Oh, on voit des voitures un petit peu partout dans le décor, hein. C'est, les pneus sont rincés. Hein. Mais on n'aura pas eu un deuxième Mario Pit, hein, sauf pour Rémi Grusson, malheureusement il fait pas une belle opération sur ce coup là, Rémi, qui descend 7ème. Hein. Et là, effectivement, Crevice, il a plus qu'à dérouler tranquille, comme tu dis, Arkeo. Deux minutes. Allez, ça nous fait deux, trois tours, peut-être. Ça dépend où va se situer Crevice
quand le temps sera terminé. Alors c'est dommage, on n'a pas vu ce qui s'était passé exactement entre Grimm et Vortex, mais on a bien vu hein, Grimm dans le bac à sable. C'est le cas aussi là pour la voiture qu'on voit à gauche. Vortex qui arrive à revenir quand même, hein, il y a 6 dixièmes, il reste moins d'une minute. Alors Crevice, il est où lui? Je pense qu'il va essayer de lever le pied de façon à pas faire un tour en plus, mais il reste 15 secondes. Il peut lever le pied, hein, il y a 20 secondes hein, de Gouillard derrière, hein, donc il est tranquille. Allez, 4 secondes, on n'aura pas de tour supplémentaire, on va regarder Crevice donc passer victorieux. Cette ligne d'arrivée, la deuxième manche de cette Summer Cup LSF, c'est terminé. Bravo à lui. Bravo, Crevice 42. Bravo à Gouya, qu'on n'attendait pas là. Hein. P2, Gouya. Très, très, très beau. Très bien, Gouya. Il est cinquième au général, là. Il va grimper un petit peu. D'autant qu'au général, on avait Neom qui est troisième et qui est donc absent ce soir. Donc on va avoir un bouleversement du général. Hein. À la troisième place, bravo aussi à lui, Nico Meimo, qui monte sur le podium, bravo. Bravo, Grim Chris, quatrième, Vortex, donc cinquième. Alors lui, c'est la plus mauvaise opération de la soirée. Malheureusement pour Vortex 56. Allez, on va afficher le. Nanou. On va afficher le classement. Tout le monde n'est sans doute pas encore arrivé. Mais au moins on a les premiers. Avec le vainqueur. Crevice. Bravo. Tu l'avais pas essayé, c'est pas toi déjà qui me l'avais fait le. J'ai glissé, chef. Bah fallait pas glisser. Voilà le classement. C'était le fantôme, ouais. Bon, deux abandons hein, malheureusement. Laurent et puis Mwaka. Ah, je vais baisser le son parce que. Il y aurait pas d'Ams sur le chat par hasard? Allez, on va réficher. Donc normalement, le podium devrait me rejoindre. On échange un petit peu. On a un petit peu leurs impressions. Salut. Salut, bonjour. Salut Kevin, bravo, félicitations, merci salut Crevice, bravo. Très belle deuxième place Gouya. Ah, ça, ces dernières minutes étaient inattendues. Ouais, c'est clair, je m'y attendais pas en plus. Je l'avais oublié cette histoire de carburant. Salut Crevice, bravo, félicitations. Bon, toi, tu fais la belle opération de la soirée. Ouais, je fais une belle soirée, une soirée qui m'a bien réussi. Ouais. La pole, la victoire.
Bonsoir Plonk. Salut les gars. Nico, Salut salut à Antoine, toi. ça fait plaisir. Ouais, très bien, ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien goupillé. Bon, Force con. il y a eu Bleu. des. Ça a été un peu chaud hein, par moment de ce qu'on a vu, enfin, pas spécialement toi, mais entre Bah moi ça a quelques. été, j'ai vu que ça s'accroche au premier virage derrière entre Grim et Et... Vortex. Oui. Grim a perdu des places, Vortex a réussi à rester dans la course. Ouais. Après, je l'ai un peu laissé passer, on va dire, à la spi, parce qu'on avait remarqué qu'en étant deuxième, on consommait moins d'essence. Et D'accord, bah j'étais oui. pas du tout, j'étais pas du tout certain d'arriver au bout si je partais en bille en tête, on va dire. Donc j'ai réussi à le suivre après, j'arrive à le dépasser dans les stands, donc je suis assez content de moi cette fois. C'est pas moi qui me suis fait avoir comme la dernière Ouais, comme la course. dernière fois, ouais. La dernière fois, c'est lui qui m'a eu dans les stands, et puis après, je l'ai eu à l'usure, Ah. je pense. Alors je sais pas, je sais qu'en début de soirée, il avait des problèmes de FFB. Oui, c'est vrai, oui. Je sais pas si c'est ça qui a fait que, mais je pense que je l'ai eu à l'usure, donc Ouais, je à pense que voir. c'est plus ça, fin de l'avis même d'ailleurs, on avait Yorgle Brice sur le chat qui disait, oui, il a l'air moins à l'aise. Parce que dès que j'ai réussi à faire le trou sur un drapeau bleu, dès que j'ai pris un peu d'écart, il a plus d'aspi et ça montait ouais, d'un dixième ou deux dixièmes à chaque fois. Ouais, tout à fait. On l'a vu de toute façon sur la fin là, il était sur les jantes, hein. Il avait l'air Bon, il a, donc ouais. Il a bouffé les pneus et je pense qu'il était, il était en difficulté, ça se voyait. avoir Vortex à l'usure, je suis assez fier de moi. Donc, Ouais, tout à fait. merci pour le stream en tout cas. Et puis, c'était une belle soirée quand même. Merci, merci, merci à toi. Donc Kevin, bah bravo, hein. Toi Merci. ça va te faire bien grimper aussi, je pense. Tu étais cinquième la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, ouais, donc. niveau championnat, là, ça va, je m'en sors pas trop mal. Ouais, avec une course régulière, hein, de ce que bon voilà, ce qu'on a vu, avec des belles petites bagarres toi aussi, hein, pendant cette soirée, là, c'était cool. Ah, j'ai eu beaucoup moins de bagarres qu'à la première course. Moins que la première, La première. d'accord. Ouais. Oui, je me suis. Mais après, j'ai surtout, enfin, j'ai profité des erreurs des autres, hein, parce que au départ, il y a eu un petit crash au premier virage, et j'ai Ouais. réussi à gratter 2-3 places. Ensuite, j'ai eu une petite passe difficile où j'avais le train arrière qui faisait que de glisser, je comprenais pas pourquoi. Après, j'ai compris qu'il fallait que je mette plus de freins à l'avant. D'accord. Donc, j'ai fait ma modif en course. Après, ça allait mieux, j'ai réussi à garder un bon rythme toute la course. Ouais, puis au bout Et du compte. ensuite, bah ensuite j'ai eu une petite bataille avec Nico. Et Ouais. puis, après, on s'est suivi à 1 à 2 secondes pendant tout le reste de la course et on a profité tous les deux à la fin du manque de carburant des autres. Le manque de C'est carburant, et ça. puis on a vu, oui, il y a eu ce. Je pense, alors malheureusement, je suis arrivé trop tard dessus, mais il y a eu, je pense, à nouveau un accrochage entre Oui. Vortex et Grimm. Ouais. Puisqu'on Ah a ouais? vu, Ah, je savais pas, on a vu Grimm dans le bac à sable et Vortex qui l'attendait. Oh, ils sont encore accrochés après, Ouais, ça apparemment, s'est juste l'arrivée, ils accroché, sont oui. partis. Et c'est à ce moment-là qu'on t'a vu, Kevin, qu'on t'a vu monter à la P2. Hein. Ouais, j'étais content, moi. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Enfin, le fait ta course régulière, on le vérifie toujours. Hein, le fait d'avoir fait une course régulière et de te maintenir là où tu étais dans le classement, c'est finalement ça t'a servi en fin de J'aurais bien course. Ouais, gagné à la fin, ouais. Et Et puis le puis. fait d'être un peu moins rapide que les autres a Ouais, fait qu'on voilà, a oui, moins au bout. consommé aussi. Parce Voilà. que les autres, ils étaient plus rapides, mais au final, ils avaient passé d'essence, donc. C'est cool. Eh ben, c'est super. Et puis, beau podium pour Nico. Ouais, c'est rare, hein. Vous Bien joué, habituez Nico. pas, les gars, c'est rare. Ouais, non, Ouais, mais merci, merci. t'es monté régulièrement, en fait. T'as fait là aussi une course régulière Ouais. et pas d'erreur. Ah ben oui, j'ai joué un petit peu avec Kevin là au Ouais. début là, et puis bah après j'ai dit bon bah il a à peu près le même rythme et tout, donc bah, on va essayer de se suivre, hein, je vais essayer de le suivre. Ouais. Qui permet d'économiser du carburant en fait. C'est Et ça. bon après j'ai eu un petit peu de mal à gérer les retardataires par endroit, mais bon ça a été. Et puis après un gros coup de chance, il restait 4 tours, je crois, 4 ou ouais. Ouais, 5 Et minutes. puis ouais, j'ai vu dans la montée là, sur la ligne d'arrivée, qu'il y avait bah, Grim et puis Vortex qui étaient là un peu. Ouais. Donc bah, j'ai réussi à passer. Puis bah, j'étais opportuniste sur ce coup-là, mais bon, bah, comme tu dis, oui, bah, j'ai fait une course solide et puis pas fait trop d'erreurs. Donc bon, bah, ça a permis d'être là au moment où il fallait, quoi. Eh ben Voilà. c'est cool, c'est super. Est-ce que vous serez tous les trois là sur la prochaine ou peut-être des Oui, vacances pour certains? normalement j'en loupe pas. Peut-être la prochaine, mais normalement j'en loupe pas.
D'accord. Pareil, pareil. Je devrais être du bel conditionnel, je devrais être là, mais c'est pas sûr. D'accord. Non, ah, après, c'est l'été. Hein. Oui, bah voilà, on sort de... J'ai loupé la première, c'est j'ai ça. Loupé la première, bah, je me suis dit, je vais faire toutes les autres. Bah, c'est ce qui fait, comme je le disais là, juste à la fin de la course, le, autre bouleversement qui va y avoir aussi, mais ça, bon, voilà, c'est les vacances, on le sait. Ce soir, on n'avait pas Neom. Hein, qui Neom qui était troisième il y a 15 jours. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein, donc ça va aussi provoquer un changement forcément dans le classement général. C'est pour ça que je pense que pour notamment pour Kevin ça va être pas mal. Voilà, ouais, voilà. Et bah, merci, là, merci tous les trois d'être venus. Et puis on se retrouve dans deux semaines. Voilà, nous on va arrêter on va arrêter le live par là. Bah merci, merci à toi pour le stream. Voilà, c'est bien cool, c'est gentil. Ouais. Merci, c'est cool. Ouais. Merci à tous. Et puis merci à vous les gars, c'était, ouais. C'était sympa. C'était ouais, sympa. Bravo à vous. Merci. Tant l'entraînement comme la course, c'était cool. C'était cool. Joyeux les gars, c'est clair. Allez, allez bon, salut. Je retourne dans mon channel. Ouais. Bonne soirée. Moi aussi. Bonne soirée, salut, ciao. Salut, ciao. Allez, moi je vous propose, on va faire un petit raid. On va aller voir l'ami Reaper, il fait du breakfast. On va aller faire un petit coucou à Reaper. Et puis nous, on va arrêter le live ici. Et puis je vous remercie encore. Merci pour les subs, pour les follow, merci pour les bits. Et puis on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao. User joined your channel. Salut Titom. Ça y est, ça a coupé. Pas pour l'instant, je viens de lancer un petit raid sur une autre chaîne, mais on est encore. D'accord, on est encore en live. On est encore okay. En live. On va le lancer maintenant. Allez, allez hop, c'est parti. Pendant qu'il y a du monde. Oui, allez, c'est une chaîne qui fait beaucoup de breakfast notamment. Ah, ah. Voilà.